bien, écoute. Ouais, comment ça s'est passé ce soir? Ben, ça s'est superbement bien passé, hein, comme d'hab, parce que c'est vrai que le club Section Zouk, c'est un peu la maison, hein, et le public est toujours au rendez-vous. C'est un public qui est très chaleureux, qui nous soutient bien, et c'est toujours un plaisir pour moi de revenir ici. Ouais. Qu'est-ce que tu deviens? Tu sors, tu voyages beaucoup? Ben, toujours, hein, c'est vrai qu'on me voit très très peu, et puis c'est vrai que je suis quelqu'un qui travaille énormément, qui est pas trop dans le show business, les soirées, etc. Donc, mais c'est vrai que je suis encore énormément sur les routes de France et du monde. Là, je reviens des États-Unis, j'étais en Haïti, j'étais un petit peu partout, et voilà. Donc je poursuis mon petit bonhomme de chemin. Entre temps, je retourne un petit peu au studio parce qu'on commence à appréhender la suite avec le morceau On va s'enjailler, donc ce qui donne un petit peu la couleur de ma nouvelle direction musicale. Donc on retourne sur des trucs assez dansants et puis qui sont un petit peu plus actuels, plus ouverts aussi, parce que ce sont des rythmes dans lesquels plus de gens vont encore se reconnaître. Donc voilà, c'est un nouveau challenge que je commence à appréhender. Mais ce titre, On va s'enjailler. Alors c'est quoi On va s'enjailler? On va s'enjailler, dans l'argot ivoirien, ça veut dire on va s'amuser, on va passer du bon temps, on va faire la fête. Donc c'est un morceau très festif qui reflète aussi un état d'esprit, parce que c'est vrai que j'ai fait des albums de Zouk où je parlais beaucoup d'amour, donc l'amour sous toutes ses formes, des choses gaies mais beaucoup de choses tristes. Et voilà, j'avais besoin de passer aussi des messages assez positifs. Donc on va s'enjailler, toujours un mix entre la musique africaine de par mes origines et puis les musiques plus actuelles, donc très club, très, très voilà. Et voilà, ça donne, on va s'enjailler. Le métier pas trop difficile dans l'histoire, Tia? À un moment donné, on n'a pas envie de se dire bon, on s'arrête un peu, parce qu'à force de tourner comme ça, c'est pas évident. C'est pas facile, parce que ça fait quand même 8 ans, ouais, que je suis sur les routes non-stop. Donc c'est vrai que des fois c'est pas évident, mais quand t'as les gens qui sont là, qui répondent toujours présents, qui te réclament encore et encore, bon, bah, tu te dis que finalement ce que tu fais, c'est pas... t'arrives quand même à... Enfin, voilà, je me retrouve dans une situation où je me rends compte que les messages que j'essaye de passer continuent à perdurer. Et puis les gens se reconnaissent toujours dans mes textes ou dans ma musique. Donc finalement, c'est ce qui me donne la force de continuer encore. Après, c'est vrai que... comme toutes les femmes, voilà, je pense parfois à autre chose, à une famille, à peut-être plus de stabilité. Ouais, mais finalement je me dis que ce que je fais, c'est pas ça vaut le coup ce que je fais, parce que je vis tellement de belles choses, je rencontre tellement de personnes, voilà, je vis tellement de belles expériences que finalement ça me donne la force et l'envie de continuer encore et encore. Tu es disponible où? Il y a une adresse internet, Facebook. Vas-y, donne-nous ton adresse pour les fans. Alors, sur Facebook, Tia Métis. Alors, Tia, T2EYAH, Métis. Ou Twitter, que je viens d'ouvrir. Donc, vous serez parmi les premiers. Hein, Tia Music, avec un C à la fin. Voilà, pour toute mon actualité. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, parce que ça fait toujours plaisir. Et j'y réponds de façon très régulière. Voilà. Combina les sous, c'est quoi ça? Socialement.
Oh, oh.